Bonjour à tous, Simdawa à votre service. Tout d'abord, meilleurs vœux et bonne et heureuse année. Aujourd'hui, nous allons parler de fichiers de Windows, ou plutôt des dossiers, comment les renommer, comment les créer. Pour créer un nouveau fichier, il y a un bouton ici dans la gestion des fichiers. Je clique et voilà. Tant qu'il est sélectionné, on peut lui donner un nom. Sinon, on clique. On fait un renommé un nom là, puis on donne un nom, donc bonne année par exemple. Pour recopier, bien pour recopier ce dossier là, quand on clique sur ce dossier, on fait CTRL C ou il y a un bouton là dédié à cette mission, copier ce dossier. Quand j'ai copié des éléments, on doit choisir l'emplacement. Voilà, sélectionner l'emplacement où vous voulez copier bonne année, puis cliquer sur copier. Donc je choisis l'emplacement pour mes documents, mon disque local C, D, mon liste B. Puis là, on a copié à la fin. Le bouton copier. J'annule. Voilà. Pour supprimer. Il y a un bouton qui est dédié à cette mission-là, supprimer. Donc je peux utiliser ou bien la touche supprimer de mon clavier. Et si je veux que ce dossier ne va pas partir à la corbeille, il suffit d'utiliser Shift majuscule puis supprimer avec mon clavier. Sinon, là j'ai un fichier, j'ai tous ces actions-là, j'ai supprimé, j'ai renommé, j'ai même des propriétés. Et ouvrir, explorer. Avec l'édition, j'ai coupé, c'est coupé, autrement dit, enlever de ce dossier-là. Copier, prendre une copie. Pour sélectionner tout, je fais CTRL A. A all, sélectionner tout. Et pour inverser la sélection, voilà. Maintenant, c'est celui-là qui est sélectionné. Bonne utilisation de ces astuces et bonne et heureuse année. Merci de votre fidélité. L'abonnement à ma chaîne est un honneur pour moi. Merci et très très bonne année.